Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre Doumou Swadi, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à Cepel Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays, c'est ce tribalisme qui monte de plus en plus avec en toile des fonds les déclarations de Madame Dominique Munongo. Pourquoi son parti politique ne condamne-t-il pas? Est-ce que Moïse Katumbi est-il des mèches avec ce cadre de son parti politique? On en parle. On revient sur la Cour de cassation qui a décidé de casser le verdict rendu dans l'affaire de Vital Kamerhe. Le président de l'UNC doit de nouveau être réjugé par une autre composition. Quelles sont les implications de droit, mais aussi les implications en termes politiques? L'actualité, on reviendra là-dessus. On parlera d'autres questions importantes, les sociales, les bilans, tout ça, la vie au niveau de l'Union sacrée. Un ami, un frère et un ancien confrère est l'invité de cette émission, c'est Maître Laurent Onyemba. Maître, bonjour. Bonjour, cher Perron. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Depuis que vous avez été élevé au rang de secrétaire national en charge de la communication et des relations avec les médias, c'est ça? Oui. C'est la première fois que je vous reçois dans cette casquette-là. On se sent comment quand on est élevé en dignité dans son parti politique? D'abord, je vous remercie particulièrement parce que j'ai voulu commencer par ici. au nom des rapports que nous avons, des rapports d'amitié, des familles, nous avons la responsabilité d'honorer des gens qui font la chose différemment. Et donc, sans complaisance, je suis toujours fier du travail que vous faites. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais parlé depuis que je ne vous suis pas. Eh bien, avant de dormir chaque matin ou chaque soir, je mets, quand je me réveille bien sûr le matin, je mets ma télé pour voir qu'est-ce que tu as dit, et quelles sont les analyses effectuées. Et donc, je vous remercie énormément pour le travail. Mais aussi, je profite de ce micro pour remercier le président Moïse Katumbi qui a fondamentalement placé sa confiance sur ma modeste personne. Vous savez, Ensemble est une machine avec beaucoup de communicateurs, mais faire de moi son ministre national à la communication et relation avec les médias, ce n'est pas donné à tout le monde. Je suppose que c'est une responsabilité et que j'ai d'ailleurs placé sous le signe de l'encadrement de la jeunesse et de ces flambeaux de passation qui s'opèrent généralement un peu difficilement entre les vieux et les jeunes. Je ne remercie quand même pas jeune au sens... Je le dis d'âge parce que la jeunesse, c'est d'abord une question mentale. Mais aussi au secrétaire général de Dédé Boulengue-Tengue, comme au conseil spécial Salomon Skadela, qui ont trouvé, dans ma modeste personne, des qualités de tenir ces combats. Et donc, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de modestie, que j'ai accepté cette responsabilité et j'ai voulu commencer par ici. Parce que les gens m'ont posé la question, mais Laurent, tu ne me parlais pas, Laurent, tu fais ceci. Je pensais qu'après de telles charges, au lieu de faire de la même chose, il fallait dresser un cadre de discussion, il fallait voir quelle orientation qu'il faut prendre. Et j'ai fini de faire ce que j'ai appelé les plans stratégiques de communication d'ensemble. Au moment où je vous parle, je suis en discussion avec les hautes autorités du parti sur la feuille de route et sur comment recruter des communicateurs qui font différemment les choses. Pas des gens qui viennent insulter, pas des gens qui viennent dire que tout est noir, mais en fait, proposer un autre schéma de communication. Mais c'est ça le problème, justement. On a l'impression qu'ensemble, c'est, en termes de communication, c'est tellement des individualités. Et moi, quand j'ai vu qu'on vous a nommé, je me suis dit, ben là, mon ami vient laisser faire jeter dans la gueule des loups. Vous gérez comment un taux nutrient comme Daniel Issafou, vous n'allez pas l'empêcher de parler. Vous gérez comment un aussi hyper médiatisé comme Mike Moukebaye. Vous gérez comment Francis Kalombo. Vous voyez ce qu'on reproche à M. Tshisekedi, un fourre-tout dans sa communication, porte-parole, communication, presse. J'ai l'impression, quand on vous a nommé, que vous allez vous retrouver dans une affaire un monstre à plusieurs têtes que vous aurez du mal à gérer. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, vous citez trois personnes qui, fondamentalement, sont d'ailleurs mes aînés.
pour qui j'ai beaucoup de considération. Je peux en citer d'autres. Attendez. Et je me réfère à l'exemple de Tshisekedi, le désordre qui caractérise la communication du président de la République. C'est peut-être lui-même aussi à multiplier les services. D'abord, vous devez le savoir que le droit de parler est un droit constitutionnel. Être ensemble ou ne pas être ensemble, parler relève des facultés ou des prérogatives constitutionnellement garanties. Donc, vous n'allez pas interdire à un compatriote d'opiner sur notre situation ou sur une situation quelconque. Ça, c'est de un. De deux, il n'est pas interdit en adhérant à un parti politique de prendre la parole. Même au sein du parti, il est possible d'avoir une opinion dissidente ou un courant par rapport au point de vue qui est, par exemple, proposé ou bien évoqué par le bureau politique, par le président, par le secrétaire général. Mais seulement, dans la discipline du parti, il faut rester dans le point de vue de la majorité. Troisième chose, vous devez savoir que l'honorable Francis Kalombo est un ancien député, un leader incontesté à Kinshasa, un coordonnateur d'ensemble. Il a une opinion fondamentalement assise qui doit émettre. Autant que l'honorable Daniel Safou, comme l'honorable Moukebaï, l'un et l'autre député national, député provincial. Mais si vous avez besoin du point de vue de l'ensemble pour la République, eh bien vous avez besoin du point de vue de Laurent Onyemba. C'est Laurent qui porte la plume. C'est Laurent qui porte la plume. Mais alors, ça n'interdit pas aux autres compatriotes. Et d'ailleurs, c'est de l'élégance traditionnelle en communication que de toujours souligner que le point de vue que j'adopte ici est un point de vue du parti ou que c'est mon point de vue. Et donc, fondamentalement, je me sens très bien à l'aise parce que je me dis, le travail des communicateurs ne va pas être aussi un travail rude parce que nous en avons déjà, il est ici question d'orienter, de segmenter, d'encadrer toutes les énergies pour que à chaque fois c'est facile. Mais c'est facile. Même d'être difficile à gérer. Quand je suis nommé, l'honorable Moukeba m'a appelé tout de suite, il est venu me voir, une coupe de champagne à l'appui, pour discuter fondamentalement sur la politique de communicationnelle du parti. J'ai discuté avec l'honorable Francis Kalombo, de qui j'attends encore une coupe de champagne, il était à Paris. On a discuté fondamentalement avec l'honorable Daniel Safou et tous les autres. Christelle Gwanga et tout le reste, pour vous dire que nous sommes d'abord une famille avant d'être des membres d'un parti politique. Et donc, les passerelles, les fourchettes de compétences et d'orientation sont suffisamment bien définies dans nos statuts et dans les textes qui entourent le fonctionnement de notre parti, qu'il n'y a pas de problème autour de nuances, autour de champs de parcelles ou bien de champs de compétences, il n'y a pas de problème. Mais ce qui fait la beauté du parti, ce qui fait justement tout ce qui est au sein du parti comme valeur parle justement des spécificités de chacun et donc rassurez-vous qu'à ce niveau il n'y a pas de soucis. Non mais parlons des spécificités, je sais que vous êtes maille à partir un peu à un moment donné avec Francis Kalombo sur ce plateau, vous avez dit qu'en termes de communication il vous valait pas, les autres se sont excusés, ils ont fait amende honorable, la caméra est là, vous voulez demander pardon à Francis Kalombo. Ici vous avez dit que communicationnellement parlant, en termes de matière de communication, Francis Kalombo n'avait pas votre niveau. Vous regrettez ces propos après la vague de réconciliation à gauche? Je suis quand même aussi curieux que ce soit le même journaliste qui m'a posé la question, et c'est la deuxième fois que vous tombez en erreur. À l'introduction de cette émission, vous avez commencé par dire, j'ai fait une analyse et accompagné par un invité. Moi, je ne suis pas venu ici vous accompagner, je suis venu répondre aux questions. Okay. Alors, si déjà dans votre propre émission, vous commencez à oublier ce que j'ai dit, d'abord en me citant mal, de deux, en m'opposant à l'ordre Francis Kalombo, je ne vais pas me prêter. Vous aviez dit que je ne suis pas sur un plateau pour me justifier par rapport à ce qui est passé. L'évolution, aujourd'hui, cher ami. Aujourd'hui, je suis secrétaire national. Nous devons nous mettre d'accord que nous sommes dans le même terrain. Je veux tout simplement vous aider à déblayer les terrains pour que vous commenciez votre mandat calmement. Non, mais même les plus grands ennemis, Daniel Safou et Mike Moukeba, ils se sont entendus, ils se sont demandés. D'ailleurs, je les ai reçus dans mon émission. Vous avez dit que vous avez en termes de communication, Francis Kalombo ne valait, je vais trouver le mot. Voilà, vous n'avez pas le mot. Je vais paraphraser. Voilà. Est-ce que vous le regrettez? Vous le retirez? Est-ce que le calme est revenu entre vous deux? C'est la question. Mais que tu as retard parce que le journaliste a une mission de se mettre à jour. Juste 48 heures après notre émission, il y a eu des malentendus et j'avais tweeté. Et vous avez vu le tweet. Attendez. Mais tes spectateurs n'ont pas vu. Dites-leur que c'est calme. Alors, pour une fois, tes téléspectateurs sont en avance. Je te dis, j'avais expliqué par mon tweet que je n'avais jamais attaqué mon grand frère Francis Kalombo. Et je le répète, parce que je ne trouve rien de gênant de le dire. J'avais uniquement dit
que si les propos que j'ai vus sur la toile s'avéraient vrais, qu'il quittait Moïse Katumbi, il va ressembler à un Doumba politique. C'est une figure de style. Pour ceux qui n'ont pas appris la métaphore, je ne parlais jamais de mon grand frère Francis Kalambo. Nous sommes un parti fort, nous sommes une famille. Je n'ai aucune raison, ce n'est même pas de mon éducation, de parler en mal des gens. C'est un discours qui n'est pas perçu par les Congolais lambda, un Congolais qui ne voit pas les choses venir. Et donc, aujourd'hui, j'ai des responsabilités supérieures. Je n'ai aucune raison, et je vous ai dit que nous nous voyons au procès de l'honorable Moukébaï, d'ailleurs qui va passer après-demain. L'honorable Francis Kalambo était présent. On a parlé ensemble, on a échangé, et je vous ai même dit qu'il m'a promis de m'envoyer ma coupe de champagne. Je crois que nous allons prendre ensemble quand il va la déposer à la maison. Et donc, rassurez-vous qu'il n'y a rien ensemble. Nous sommes une famille et nous sommes en train de regarder dans la même direction pour soutenir le point de vue de notre parti et penser proposer une alternance dans ce pays en 2023. Ça m'arrange. Les journalistes, c'est que vous étiez vraiment devenu politique. Parce que ça, c'est vraiment les attitudes des politiques, de dire des choses et puis de rejeter la balle plutôt aux journalistes, de dire que le journaliste n'avait pas bien compris. Donc, vous êtes dans votre rôle. Ça m'arrange. C'est que la politique vous la... Ce sont vos affirmations. Ça vous arrange. Je ne fais pas un débat sur vos affirmations. Non, je vous félicite. Moi, je me rends compte que mon ami est vraiment dans la politique. Mais non. Oui. Parce que l'ancien journaliste que je connaissais est devenu politique en adoptant même les attitudes des politiques. C'est bien. C'est bien de ressembler à... Je vous le concède. Merci beaucoup. Merci, Laurent Onyemba. Laurent, je voulais qu'on réagisse d'abord parce que vous avez cité Salomon Skadela. Non, je vais parler de Salomon Skadela vers la fin quand on parlera de votre parti politique. Mettons le pied dans le plat immédiatement. Hein. Vous êtes porte-parole d'ensemble pratiquement, mais un de vos cadres, un cadre majeur, Madame Mounongo, a insulté pratiquement, selon beaucoup, les Banouba, a tenu des propos que certains, ou même beaucoup, qualifient des propos des tribalistes. Mais pourquoi le parti ne réagit-il pas? Est-ce qu'il le fait sous la bénédiction de Katumbi? Comment est-ce que, plus d'une semaine après que Mme Mounongo ait parlé en mal contre la communauté kassaïenne, ensemble ne dit rien et ensemble ne fait rien? Je remercie énormément. Cette question a été au centre du débat pendant des semaines désormais. Et voilà le point de vue qui n'est pas d'abord ici discuté, parce qu'il faut nuancer, j'aime toujours faire la part des choses, entre le point de vue du parti, parce que quand c'est le point de vue du parti, eh bien, ma modeste personne ne vaut rien, mais je ne suis que la personne qui est censée porter eh bien, les tissus communicationnels de ces partis politiques, jusqu'à preuve du contraire, vous devez retenir ce qui suit. La première des choses, c'est que le parti Ensemble n'est pas un parti tribaliste. La preuve, Laurent Onyemba est secrétaire national en charge de la communication et relations avec les médias de Ensemble. Il est kassaïen, exact. Je suis gêné qu'on m'appelle kassaïen, je suis gêné qu'on m'appelle Moutetela. Parce qu'à ce niveau de responsabilité, vous êtes un citoyen du monde. Et donc, il faut préciser qu'Ensemble n'est pas un parti tribaliste et Ensemble n'entend pas soutenir tout propos tribaliste. Ça, c'est un. Deuxième chose, Ensemble ne fera ni une déclaration de soutien à Mme Mounongo, ni une déclaration de désolidarisation. Pourquoi? Parce que non seulement que le débat a été récupéré dans les officines politiques pour diluer la misère du peuple congolais qui nous intéresse, nous, comme parti politique, mais aussi le propos de Mme Mounongo sont interprétés en dehors du contexte bien défini. Et vous savez que dans ces pays, il y a des spécialistes, justement, d'interprétation à tort et à travers des propos des gens. Je cite une petite portion de sa pensée. Il dit, je suis, elle est dans une approche coutumière, princesse Yeke. Dans notre tribu, tel animal est un animal de compagnie. Les chiens, ils ne voulaient pas. Ils voulaient parler des chiens. Voilà les tissus sociologiques de son argumentaire. Mais que aujourd'hui, il est constaté que cet animal est abattu en ville et ça frise. Est-ce que à ce niveau-là, je ferme la parenthèse, il y a de quoi rattacher ses propos à la tribu? Sans me jeter dans la discussion ou la justification des concepts. Est-ce que ces propos valent
tout ce qu'on a vu comme étolé. Deuxième considération, pour vous justifier pourquoi Ensemble ne va pas aller dans ce jeu. Des ministres en fonction, fondamentalement apolitiques, de par la volonté de la loi, ou même de par l'éthique traditionnelle ou normale, se sont invités dans ce débat pour mettre en exergue le fait que madame est tribaliste, qu'Ensemble devait se désolidariser. Vous parlez de Mouyaya notamment, vous parlez de Nicolas Kazadi, en a parlé aussi. Alors, vous me dites, entre la personne qui est ministre en fonction au gouvernement central, qui s'invite dans un débat teinté de tribaliste, et madame Mounongo, qui évoque ce débat, qui est plus tribaliste. Deuxième chose. Troisième chose, sur ce plateau, quand le chef d'État fait la déclaration, il est dans son territoire d'origine. Vous en connaissez la pensée. Ma chère Moumen. J'avais dit ici que dans un cadre traditionnel d'une nation fondamentalement installée et instaurée, ces propos ne sont pas des propos graves. Parce que si Trump arrive en Californie ou à Floride, il dit « Je suis chez moi ici. Vous n'allez pas donner de voix à Joe Biden. » Ça a un sens parce qu'il y a la nation américaine qui est forte, qui n'a pas de velléité identitaire. Mais dans le contexte congolais, quand vous êtes chef de l'État, alors que nous en droit et en anthropologie juridique, Jacques Joly l'a si bien démontré, que le Congo est un territoire à la recherche d'un État. Donc, nous ne sommes ni un État, ni une nation. Nous sommes une sorte de juxtaposition, je voulais dire, occasionnelle des tribus ou identité à la recherche d'une identité. Il ne se contredit pas lui-même quand il dit qu'on est... Tant mieux, écoute maintenant. Est-ce que lui-même, il parle des éléments constitutifs de l'État et le Congo en a. Non, mais attendez. Je suis en train de Attendez. Quand il parle de l'État, il parle de... C'est la beauté de la science. Je n'aime pas que tu as maintenant commencé à étudier le droit. La beauté de la science, en fait, loge dans les fluctuations, n'est-ce pas, de l'évolution sociétale. Parce que toute affirmation scientifique a quatre possibilités d'être revue, contestée, discutée et même réévaluée. Qu'ils disent qu'on n'est pas encore une véritable alors, nation, je suis d'accord avec lui. Mais alors, et là qu'ils disent qu'on n'est pas un État, j'aimerais bien le voir et discuter. Je justifie pourquoi Ensemble ne va pas aller dans ce jeu-là. Allons-y, je vois que... Troisième chose, est-ce que, Madame Mounongo devait subir des attaques de sa nature de femme, devait subir des attaques, même de la presse, je voulais dire, des menaces à peine voilées. En toute responsabilité. Est-ce que ce débat mérite la place qu'il occupe aujourd'hui? On l'a menacé? Attendez, le sous-informé. Alors, recherchez les vidéos autour de Madame Mounongo, vous allez voir. Au finish, Ensemble trouve ce débat trop bas et ça ne nous intéresse pas. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, la misère dans laquelle le peuple congolais se trouve, des colonnes de Congolais devant des stations pour acheter un litre, pour mettre dans sa moto en vue de rentabiliser quelque chose et acheter des manettes pour les enfants. Que la situation de l'enseignant congolais, du professeur congolais, que la situation du social, du marché central, des grèves qui pullulent toute la République ne soit plus au centre du débat politique, et c'est une parenthèse comme ça, identitaire, qu'on met à la place publique. Ok? Et donnant un prétexte, même au ministre d'intervenir, c'est une honte. Mais non, il m'a compris qu'il a dit que je ne pas. Vous vous limitez dans l'aspect où il a parlé de manger les chiens, d'abattre les chiens en public. Mais elle est allée un peu plus loin en disant ils tuent chez eux, ils aiment chez nous. Juriste que vous êtes, article 30 de la Constitution, si ma mémoire ne me trahit pas, tout Congolais a le droit de s'installer partout où il veut. Non, mais au nom de quel principe Mme Mounongo va faire du Katanga une sorte de pantelin réservé aux Katangais? Au point de dire que les Kassaïens qui viennent chez nous et quittent chez eux. Non, les Kassaïens au Katanga sont ces jeux. Écoutez, la constitution congolaise les consacre. Tout Congolais a le droit de vivre sur l'étendue du territoire national, où qu'il veut. Au Kivu, au Katanga, à Katakokombe, à Bikoro, à Ndemba, ou je ne sais où encore. Mais il faut rentrer dans sa pensée. Tu sais,
Un concept qui sort de son contexte, il devient un prétexte, dit-on. Et les mots n'ont de valeur que dans la face ou la nuance que vous prenez dans son appréciation. C'est comme un enfant qui te gifle. C'est comme ton enfant qui prend ton téléphone et le casse. C'est différent de quelqu'un qui t'interpelle. Pour eux, viens ici, tu es contre le pouvoir. Ou bien tu es pro tel pour qu'il sait, il t'arrête le téléphone, il le casse. Tu n'as pas la même attitude. Madame parle ici ou parle ici de l'appréciation générale de la misère du peuple congolais en disant, nul ne va en vouloir au président s'il y fait quelque chose pour le peuple kassaïen. Mais cette question que nous pensons prendre avec des pincettes identitaires est une question de sûreté publique. On va en parler. Comment vous voulez chez eux, attendez, vous êtes juriste. Comment vous voulez, comment un député national peut dire des Kassaïens qu'ils quittent chez eux, chez nous, alors qu'au Katanga, les Kassaïens sont chez eux? Je dis, mais, enfin, il ne faut pas me donner l'impression que je dis que les Kassaïens ne peuvent pas aller au Katanga. Moi-même, vous connaissez mon opinion et les vidéos sont disponibles. Non, mais parce que vous dites que vous dites que mes parents n'ont rien dit de mal. C'est ça le problème. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a rien dit de mal. Je n'ai aucune capacité d'en être le juge ou de m'ériger en juge. Je me mets dans la posture du politique et dans l'appréciation positive de ce concept et de l'orientation prise par Mme Monongo en disant que le message qui transparaît, c'est uniquement le message de dire que la misère est dans l'arrière-pays et qu'il est inadmissible que même le territoire du président ou du territoire du président, il y ait cet exode rural qui amorce fondamentalement le Katanga. Peut-être qu'il y a eu un excès en disant pour venir chez nous. Parce que le Congo, c'est chez nous partout. Encore que le chez nous, là, il faut le voir. C'est le nous des majoritaires. Mais nous, des pluralistes. Il faut condamner. Non, mais attendez. Il y a une exagération. Attendez. Parce que dès le départ, tu dis, on ne condamnera pas au CDC. S'il y a une exagération, ça mérite la condamnation. Non, mais je dis ceci. Allez, commence par condamner. Sois honnête. Perrault, écoute. Je ne peux pas m'avancer sur le terrain de la condamnation. D'abord, je n'ai pas lu l'entièreté de l'émission. Et vous connaissez dans ces pays une spécialité de ciseaux que vous faites dans la presse, des morceaux colmatés. Je dois suffisamment me rendre compte que j'ai suivi l'entièreté de l'émission et que les propos étaient déplacés. Ici, je parle de base, des échanges que j'ai eus avec ceux des spécialistes d'analyse de vidéos et de l'orientation, de l'interprétation des propos que j'ai pu voir. Mais si demain, je trouve l'occasion d'obtenir l'entièreté de l'émission et que je la suis, à des prochaines interventions, je vais devoir dire, évidemment, avec l'autorisation de l'archi du parti, à dire qu'ensemble, condamne. Mais ici, parce que je suis venu avec la casquette du secrétaire national en charge de la communication, je ne peux pas m'avancer sur le terrain de condamnation sans me rassurer, quand honnêtement, que ces propos sont dans leur contexte aussi gravement que c'est établi, mais aussi sans me rassurer que du point de vue politique, ça n'a aucune influence sur ce qui a été déclaré, ce qui a été dit. Mais moi, je rappelle le principe ici, qu'ensemble pense que c'est un débat de pacotis, c'est un débat qui ne nous intéresse pas. Madame Monongo est un Congolais, elle peut avoir commis la faute. Nous pensons qu'au niveau du parti, nous allons être saisis et que nous allons nous prononcer le moment venu. Si nous pensons que nous pouvons les mettre à la page publique, nous allons les mettre à la page publique. Mais je sais qu'à la dernière réunion, il y a eu des discussions sur la question, mais que jusqu'au moment où nous parlons, il n'a pas été levé l'option de mettre à la page publique l'option qui a été levée par les partis. Alors derrière les rideaux. Tout ce que j'ai pu se dire. Alors derrière les rideaux. Vous dites qu'au lieu de se limiter à la périphérie sur ce que Monongo a dit, allons plutôt en profondeur. Oui. C'est la misère du peuple kassaïen notamment qui amène à ça. Oui. Donc, pour vous, dans ce qui arrive, le régime Tshisekedi a à avoir, d'une certaine manière, si on doit tirer les responsabilités, et il faut aujourd'hui qu'on pose des questions à Tshisekedi qui est au pouvoir et qui, en 3 ans, n'a pas réussi à développer le Kassai. Bon, écoutez, c'est déjà prendre une question avec autant de délicatesse et proposer à la face du monde. Le Kassai est un territoire congolais. Les Kassaïens n'est pas différent de Mouyaka, de Moulouba, de Moussonga, de Moussaïli. Nous parlons ici de la question du Congolais dans sa globalité.
Quelle est la situation du Congolais aujourd'hui? Et il est malheureux de constater que dans une analyse aussi, je voulais dire, peu pensée, ok, il y a des gens qui pensent que justifier l'inertie aujourd'hui dans la gouvernance institutionnelle, c'est faire allusion à 32 ans de Mobutu, c'est faire allusion à 18 ans de Joseph Kabila, mais dans l'intelligence constitutionnelle, tu sais le pourquoi d'avoir dit que le mandat est de 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, s'il n'y a pas de l'apprentissage au sommet de l'État, ok, s'il n'y a pas la politique de CRR, s'il n'y a pas cette politique à surveillance démontrée, ou s'il n'y a pas cette politique cliquée sur un enrichissement d'un groupe contre l'ensemble des autres Congolais, en 5 ans, on peut présenter des réformes, on peut planter le décor pour que dans les 5 ans à venir, les mises du développement humain soient constatées, que le cadre macroéconomique soit présenté, qu'il y ait des réformes fondamentales qui sous-tendent justement le développement et donc la vie positive des citoyens congolais. Et je vous pose la question, ou je me repose la question à haute voix, est-ce que 3 ans du président Félix Tshisekedi, vous avez vu une réforme de nature à planter le décor pour un futur radieux du peuple congolais? Vous avez vu le tâtonnement du projet Tshilingelou et tout ce qui en découle? Vous avez vu des millions, plusieurs millions de dollars sur cette affaire des sauts de moutons? Mais j'ai suivi les reportages des journalistes, je voulais saluer Israël Mutombo, qui est parti, je crois, à Bicol ou au fin fond de l'Équateur. J'ai suivi les reportages de Christian Bossembe. Mais si vous représentez combien 3 millions de dollars ou 7 millions d'un sauts de moutons peuvent construire des écoles, vous vous représentez comme il n'y a pas un ordinateur au chef ou du territoire. Vous vous représentez? Vous vous représentez dans ces pays que manger du sel en Bougimaï est un luxe? Vous vous représentez dans ces pays que la tour de contrôle est comme une sorte de maison de pigeons? Je cite ici la vidéo de Prince Epengue. Mais est-ce qu'il y a un problème? Si l'État l'a lui-même dit, le gouvernement a un problème de coordination. Il n'allait pas faire ça dans 3 ans quand même, soyez honnête avec vous-même. Non, mais attendez. Si c'est qu'il n'avait pas conçu en 3 ans, c'est que Kabila a détruit en 18 ans. Non, mais vous-même, vous étiez contre Kabila, vous avez dit qu'il a détruit le pays. Qu'est-ce qu'il allait faire? Tu sais, hein? Soyez honnête. Tu sais, Kabila a détruit le pays. Mais tu sais pourquoi dans une voiture on a mis le rétroviseur? Parce que c'est lui qui vient à l'obligation de voir les erreurs. Et vous ne venez pas apprendre le sommet de l'État, vous devez vous servir de ces erreurs pour proposer de nouveaux paradigmes. Nous sommes dans ce pays, Pérou-Louawa. On a parlé aujourd'hui du projet de 145 territoires. Est-ce que c'est au niveau de la présidence qu'on devait avoir un groupe de gens qui réfléchissent sur ce qu'on va faire dans les 140 territoires sans connaître les besoins sociaux de chaque territoire à partir duquel on va créer des projets qui puissent participer à la confection de cette gouvernance territoriale et finalement qui débouche sur le développement entier de notre pays? Est-ce que 10 conseillers à la présidence ont la radioscopie générale de la citoyenneté ou bien des besoins sociaux de base de chaque Congolais à partir de chaque territoire, où on va amener des millions, on va construire des bâtiments et que ces bâtiments n'auront aucun cadre d'entretien et on va s'arrêter à prendre 2 milliards de dollars, 1 milliard de dollars pour jeter dans la boue? Au bout de 5 ans, ce sont des tôles qu'on va sûrement acheter avec des conseillers qui connaissent ce qu'il faut maintenant. Il y a des projets qu'il faut soumettre et on sait qu'il y a la rétro-commission, parce qu'on nous l'a dit, qu'elle n'est pas trop prise en charge en droit pénal congolais. Il faut encore corriger. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on gère l'État? Est-ce que c'est comme ça qu'on gère l'État? Mais on a aussi l'impression que les gens qui opinent oublient qu'il s'agit de l'argent du trésor public. Il s'agit de notre argent. Parce qu'aujourd'hui, on a même interdit aux gens de parler. Non. Il n'y a aucune grand-mère qui a lui amené elle, une mallette et a confié à son fils, vous dites, vous devenez chef de l'État. Voilà l'argent pour que vous puissiez disposer à votre... Il faut la redevabilité. Je retire la quoi? Démocratie, l'État, c'est la redevabilité. Je retire quoi? Votre argent. En 3 ans, Tshisekedi a déçu. En 3 ans, Tshisekedi n'a pas porté. Mais le bilan en 3 ans, Tshisekedi est nul. Le bilan du président est catastrophique.
Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez entre les lignes, partout le président, et je peux même m'amuser à vous faire 200 promesses du président Félix Tshisekedi. 200 promesses. Je vous pose la question. Je voulais énumérer un cas. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, sur la route à qui parle de Kitambo, devait cette route-là en son temps, la maquette devait aller jusqu'à Moudi et la maquette était de 4 bandes. Aujourd'hui, quand vous partez, vous prenez Mimosa jusqu'à Lutendele, ok, des deux côtés de la chaussée, il y a à peu près 3 millions de Congolais qui vivent. Les travaux sont en train d'être faits au niveau de Kanchachi. On est en train d'élargir la chaussée pour mettre la clôture. Mais Forest, je pense, je ne connais pas, j'ai vu des vêtements sur lesquels on a écrit Forest, sous réserve bien sûr, mais je vois une autre entreprise désormais, on a détruit les travaux qui viennent d'être faits il n'y a pas une année. J'imagine, j'ai posé la question, j'ai appris qu'il y aurait quelques millions de dollars sur les antivols qu'on a plantés avec des bois. Aujourd'hui, on les détruit. Au lieu d'élargir la route pour que cette route-là ait 4 bandes, pour qu'un enfant arrive à Lupio, si son père vit en Boudi, il doit se réveiller à 4 heures. Sommes-nous un gouvernement? Sommes-nous un État? À partir de quelle pincette ceux qui nous gouvernent regardent la réalité au quotidien? On a parlé de Kinshasa sans trou. Êtes-vous fier aujourd'hui d'acheter une voiture à Bandal? Je viens de faire pratiquement 6 mois sans venir, parce que je ne viens ici que sur ton plateau. J'ai été quand même éclairé de voir que de la rivière Makele à ici, comment on appelle l'arrêt Bakayel, mais c'est de la saleté imprescriptible. Les trous sont partout. Alors, vous voulez qu'on ne dise rien, qu'on constate? Et la politique qu'on nous a présentée aujourd'hui par l'UDPS, c'est la politique de l'injure. Il n'y a personne qui est prêt pour un débat contradictoire. Moi, je veux, en tant que secrétaire national à la communication, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, je veux un débat contradictoire sur ton plateau, sur les trois règles de Félix Tshisekedi. Le président l'a dit, il y a un problème de coordination. Mais quand il y a un problème de coordination, le jour où on demande à chaque ministre sectoriel de venir rendre compte à l'Assemblée nationale, les gens sacrés se réunissent. Cette union sacrée n'est pas cotée. Tshisekedi a échoué. Tshisekedi a échoué. Totalement. Non, mais Tshisekedi a échoué. Il a lui-même dit qu'il va organiser les élections dans les délais de l'ère constitutionnelle. Je vous mets au défi, si au 23 décembre 2023, nous irons aux urnes, ça sera le premier échec. Parce que, tu sais, une date en droit constitutionnel est loge en soi un fétichisme constitutionnel. Il a dit qu'il va organiser les élections. Très bien. Mais vous avez suivi la cacophonie qu'il y a entre la personne qui décaisse les fonds et celle qui est censée les réceptionner et les appliquer. Non, mais Tshisekedi échoue. La CENI et le Tshisekedi dit Tshisekedi échoue avec vous ensemble. Vous êtes avec lui. Les deux questions du bilan. Quand à l'UDPS, on dit que vous allez porter le bilan de Tshisekedi, vous dites non, alors que vous avez des ministres au parler. Vous êtes tellement malhonnête. Je vais partir d'une image. Vous êtes tenté d'aller, vous partez à la CAN, vous faites convoquer un joueur, ok? Il vient de son équipe, il est sur les bancs de touche. Et des clubs. Vous le mettez à la 77e minute et vous lui dites non, on a perdu le match. Non, c'est toi qui. Tu dois partager le bilan avant même que le match ne se termine. Ça signifie que le coach est au courant qu'il est incapable de faire gagner son équipe. Une équipe qui gagne n'a pas besoin d'évoquer la question des responsabilités. C'est une image sociologique d'ailleurs. Mais regarde sur le plan politique. Perrault, moi j'ai déjà dit sur ce plateau ici, j'ai la nette impression qu'il faut recycler l'homme congolais dans son ADN, au-delà de la dimension scientifique et classique. Au lieu aujourd'hui de faire des réformes, vous avez entendu parler aussi de la révision constitutionnelle. Tous les chantres du maintien de la Constitution sont devenus aujourd'hui les chantres de la révision constitutionnelle. Mais la Constitution n'a pas évolué en termes d'arguments. Est-ce que le problème est au niveau de la norme ou le problème est au niveau de ceux qui appliquent la norme? Il n'existe pas au monde une Constitution parfaite. Il existe plutôt une bonne foi dans l'application de la norme. Je veux voir ici, du point de vue politique,
les meilleurs juristes de notre pays, qui l'amène la Constitution et qui nous montre une seule disposition constitutionnelle qui est interdite au pouvoir en place de gagner les élections ou bien de proposer des réformes. Pour dire que la Constitution devient aujourd'hui, je voulais dire, comment dirais-je, la clé de l'avancement de notre société. Vous vous rappelez quand Évariste Bochard, d'expérience savante, mais à la place publique, entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, vous savez ce qu'on a fait dans ces pays. Les gens ont beaucoup plus critiqué l'intitulé que le livre. Moi, j'ai lu le livre de Évariste Bochard. De bout en bout, je n'ai pas vu une seule disposition où Bochard a dit qu'il faut réserver un troisième mandat à Joseph Kabila. Il a seulement rappelé que toute norme obéit aux vérités sociétales et que quand la société évolue, la norme doit s'adapter. Il faut adapter la norme à la société. Et les gens ont proposé la Constitution comme le meilleur texte que nous ayons. Quel est l'argument aujourd'hui qui présente notre Constitution comme un texte obsolète? J'ai parlé du bilan. Vous venez de mettre sur la question du bilan. Katumbi ne partagera pas les bilans de Félix. Non, non. Soyez honnête, démissionnez, non? Écoutez vos ministres, non? Mais c'est aussi absurde de croire que cette mathématique-là est possible en politique. Je pose d'abord des postulats. Première chose, Joseph Kabila est le mal de la terre. Nous l'avons dit. Encore qu'aujourd'hui, si vous me reposez la question sur Kabila, je ne pense pas que j'aurai la même rigueur que j'avais contre lui hier, parce qu'on a compris que Kabila pouvait être, dans une certaine mesure, un mal nécessaire. Il est mieux que Félix. S'il vous plaît. Kabila est mieux que Félix. Quand je suis dans des choses sérieuses, vous devez entendre votre parallélisme, c'est à vous de vous le poser. Non, je vous laisse parler dans les choses là. Kabila est mieux pour vous que Félix Tshisekedi aujourd'hui. Regardez-moi. Je disais ceci. Regardez-moi. Je disais ceci. Vous me connaissez sur cette. Je suis ténace quand je pose des questions, non? Vous perdez le temps. Non, c'est moi qui perds le temps, mais je disais ceci. Si vous critiquez Kabila, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Kabila est mieux que Félix Tshisekedi? Je disais ceci. Non. Je ne vous laisserai pas fouiller. On va couper l'émission, là, cher ami. C'est vous qui avez ouvert le chemin. Laissez-moi embrayer dans les sillons que vous venez de vous poser. Vous posez la question, je donne une réponse. Voici ma réponse. Kabila est mieux que Tshisekedi. Voici ma réponse. Ok. Voici ma réponse. Dans une autopsie, je voulais dire triptyque, scientifiquement rigoureuse, les postulats tels que j'étais par moi autour de ce que le peuple subit aujourd'hui en termes de social, cadre macroéconomique, réforme, élection, révision constitutionnelle, quand vous mettez les deux paniers à la balance, vous allez vous représenter que nous sommes en recul par rapport à ce que Kabila a pu laisser. Donc Kabila est les conclusions sont les vôtres. Maintenant, il est classique que celui qui n'avance pas, il fait quoi? Il recule. Je viens sur la question de partage. Bilan. Mais Perrault, j'ai déjà expliqué en droit comme en politique, sur ce plateau, que le gouvernement n'est pas une affaire familiale. Le gouvernement est la radioscopie politique du Parlement. Le Parlement est en fait le peuple en miniature. Nous avons présenté, ou on nous a présenté, l'alliance FCC-CACH comme un mal du fait du blocage. Ok? On a miroité ici des ministres qui bloquaient l'action gouvernementale, le Sélé Yaragouli, mais depuis que Sélé Yaragouli est parti, allait poser la question aux finances, combien de fois on a fait plus que Sélé Yaragouli. Allez poser la question à la coopération régionale, combien de fois on a fait plus que Guillaume Mandjolo. Mais nous avons pensé aussi que les peuples souffrent et que l'appel des pieds du président était une opportunité pour qu'on donne tant soit peu le bonheur et le sourire à ces peuples. Et je voudrais toujours poser une réflexion ici. À quoi aurait ressemblé les consultations du président sans Moïse Katumbi, sans Jean-Pierre Bemba? Et nous sommes venus. Et la majorité s'est recomposée au niveau de la Chambre basse. Et cette majorité a ressorti le gouvernement. Encore que vous vous rappelez que nous avons été fondamentalement, je voulais dire, sous-évalués au regard de ce que nous valions
comme pondération politique. Mais Katumbi a dit, parce que nous pensons que l'intérêt supérieur de la nation vaut et est au-dessus des intérêts partisans, allons-y. Et le président de la République a demandé à chaque acteur d'envoyer des noms. Vous savez que sous Kabila, on était en train de condamner ici le fait que Joseph Kabila demandait pour chaque poste qu'on envoie 3 noms. Cette fois-ci, on a fait la même chose. C'est ce qu'il a exigé 3 noms. On a fait la même chose. Mais quand, ça devient important, quand un Congolais qui vient d'un parti politique, où il est présenté par un groupe politique, il arrive au gouvernement, première conséquence, il devient apolitique. Il n'y a pas de politicien au gouvernement. C'est une aberration historique que de voir qu'un ministre X arrive à un territoire et ce sont les gens de l'UDPS qui viennent l'accueillir, les gens d'ensemble. C'est des choses, des pratiques rétrogrades. Un ministre des valeurs, Onyemba Laurent, je suis nommé ministre. Je n'arrive pas à Katakokom, mais sous l'étoile du parti politique. Je dois prendre le congé du parti politique. C'est comme ça que le vrai débat dans ces pays devait se faire dans le parti politique. Et c'est le sens de ma thèse. Je me suis rendu compte que la vie de la nation part du parti politique. Si vous observez bien, aucune structure dans la Constitution n'a les prérogatives de concourir au suffrage. C'est seulement les partis politiques, même s'il y a eu cette érosion d'explication vers les regroupements politiques. Beaucoup, et donc, beaucoup de théories. Attends, il n'y a pas de théories. Beaucoup de théories. Mais comment tu fais le droit maintenant? Vous n'allez pas partager les bilans. Quittez le gouvernement, c'est ce qu'on vous demande. Mais j'en viens. Et à Katumbi de quitter l'Union sacrée. J'en viens. Quand on va dire qu'il est en train de torpiller sur ce qu'il dit de l'intérieur, vous allez dire qu'on est en train de l'intérieur. Ce n'est pas de la mathématique, écoute maintenant. Mais la théorie, on est au sort. Maintenant, quand un Congolais est proposé par un parti politique, il arrive dans un gouvernement, je vous l'ai dit, première conséquence, il devient apolitique. Deuxième conséquence, ok, il y a la solidarité gouvernementale. Mais il y a une politique. C'est le gouvernement qui applique cette politique-là sous le label du Premier ministre. Mais l'exécutif congolais est bicéphale. Il y a le président de la République, il y a le gouvernement. Mais la politique ou le projet de la société qui est mise en mouvement, c'est du chef de l'État. Maintenant, explique-moi politiquement et scientifiquement, juridiquement, quelle vient faire la responsabilité de Jean-Pierre Bemba, de là où il est à Guadeloupe, la responsabilité de Moïse Katumbi, de là où il est à Futuka, dans l'action qui est menée au niveau du gouvernement, dont le patronat est tenu par le chef de l'État avec son gouvernement. Pas que seulement il y a un Laurent Onyemba qu'on a déployé au gouvernement et qui est devenu, dans l'entretemps, apolitique. Tenir un tel langage, c'est manquer de la dialectique scientifique. Deuxième conséquence politique maintenant. Deuxième conséquence, nous sommes ensemble. L'Union sacrée, quoi que nous l'avons décrié, n'a jamais eu un cadre. La preuve, le ministre Kalumba est tombé. Mais les députés se sont désolidarisés alors qu'il y avait tous les chefs de corps, tous les chefs de l'Union sacrée. Les députés sont sortis de la salle en disant, on a beaucoup cautionné. Mais il est tombé. Ça signifie que l'Union sacrée est un monstre à 1000 têtes, un vide, et du vide, rien ne découle. Mais moi, je pose la question. À partir du moment où 70 députés d'ensemble, prenons 60, sont toujours au niveau de l'Union sacrée, quoique c'est une sorte d'épouvantail, et que l'UDPS en soit à 30 députés, plus ou moins, à partir de quelle alchimie politique vous pensez que celui qui a 30 députés peut demander à celui qui a 60 députés de quitter l'Union sacrée? Si les gens se mettent d'accord que l'Union sacrée est un vide, mais que par hypocrisie scientifique, nous acceptons quand même que c'est quelque chose, à partir de quel radar, de quel indicateur vous pensez que ensemble doit quitter l'Union sacrée pour laisser l'UDPS? Donc on, si on dit il combat les présidents Tshisekedi de l'intérieur, il refuse de partager les bilans, il recrute les journalistes pour insulter les présidents, il recrute les journalistes qui disent mal du président de la République, il y a beaucoup de griefs. Le projet de 100 jours, c'est le projet de Moïse Katumbi. Chilengelou, c'est le projet de Moïse Katumbi. Kitata Satrou, c'est le projet de Moïse Katumbi.
les marchés centrales, les premiers prix de Katumbi, pénurie de carburant. C'est Katumbi qui travaille à l'Ukraine. Non, mais soyons honnêtes. Les meilleurs ministres dans ce gouvernement, vous en savez trois qui sont mieux que les ministres qu'ensemble a envoyé. Vous avez vu la diplomatie de rapprochement de Christophe Lutundula. Ah non, laissez tomber. Vous avez vu le travail de Sherba Okende, le toilettage dans toutes les entreprises. Okende encore, ça va, mais pas Lutundula. Ok. Vous avez vu le travail qui est fait au niveau du ministère du Plan avec Mwando Simba. Et donc, présenter la chose de cette manière-là, ce n'est pas différent de ce qu'on a vu hier avec Céline Yalagouli, avec... Quand vous perdez, parce qu'on en parle, quand vous perdez des valeurs comme Céline Yalagouli, quand vous perdez des bénéfices comme ça d'un gouvernement, parce que vous devez faire plaisir à des velléités politiciennes, mais l'histoire se moque de vous. Se moque de vous. Et donc, rassurez-vous que le débat du bilan est un débat oublié et que vous vous rappelez même que nous avons appris que ces ministres-là, je crois, 60% qui sont partis, ont déjà donné leur point de vue sur ce qu'ils sont devenus. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Moïse Katumbi ne peut pas s'occuper d'un Congolais qui était au parti, qu'on a envoyé au gouvernement, pour discuter sur le bilan, ou je ne sais pas à partir de quelle action... On va prendre cette deuxième... Cette affaire de Lyon Sacré, la dernière fois, je suis Moïse Katumbi, vous m'avez dit, si je suis Katumbi, vous me direz, président, on quitte. Vous mettez la même décision? Non, mais attendez. Je suis en face de vous. Mon point de vue, vous le connaissez. Allez-y. J'avais dit en son temps, Moïse Katumbi, d'abord, non seulement de ne pas rentrer, on est rentré. Non seulement de ne pas y démérer des sorties, on est resté. Jusqu'à ce que Moïse Katumbi, vous savez, nous sommes les plus grands partis, et vous avez oublié de commencer par là, les plus grands partis dans notre pays, aujourd'hui, qui voisinent 1 million de cartes vendues d'adhésion. Et donc, que vaut Laurent Onyemba contre 900... C'est le point de vue de Laurent Onyemba que je pose. Non, mais c'est pourquoi j'ai posé la question. Okay. Mon point de vue a toujours été clair, mais que vous avez la discipline dans un parti politique. Attendez. Mais c'est moi qui réponds aux questions. Attendez. C'est moi qui réponds aux questions. Des questions. Mais alors, quand vous avez posé la question, vous me laissez répondre. Maintenant, vous calmez un peu. Je dis la discipline dans un parti politique, c'est que mon point de vue vous est pas. Toujours émoussé dans... L'écoute des autres. Et le président qui est... Quel est votre point de vue? Mon point de vue, vous le connaissez, je n'ai plus besoin de le répéter. Que? Je dis, je n'ai plus besoin de le répéter. Attends, assumez-vous, cher ami. Je ne vous connais pas comme je ça. Je n'ai pas besoin de le répéter. Point de vue, c'est quoi? Les Congolais, c'est quoi? Les Congolais qui me suivent. Ensemble, doit quitter l'Union Sacrée. Les Congolais, la preuve, vous me continuez à me citer, c'est que vous savez ce que mon point de vue. Oh, donc, d'accord. Il n'est pas besoin de non, vous n'avez pas changé. Donc, pour le moment, Katumbi n'a pas sa place aux côtés de Tshisekedi. Katumbi doit quitter l'Union Sacrée. C'est clair. C'est votre point. Tout le monde le voit que c'est vous qui parlez. Oui. Il faut assumer le rôle. Tout le monde a vu que c'est vous qui parlez. J'ai comme l'impression que depuis que vous avez vos fonctions, là, vous commencez à mettre beaucoup de gants, là. Je reconnais quelqu'un d'honnête. Non, mais écoutez, quand vous avez des charges d'État, le parti politique est en fait l'État miniature. Okay. Quand vous avez des charges d'État, vous devez vous rendre en évidence que le point de vue d'individu Laurent Onyemba ne compte plus. D'accord. Je suis Laurent Onyemba institution parce que j'ai quand même des gens qui dépendent de moi. Je suis secrétaire national à chaque de la communication. Allez, on va terminer peut-être par ce thème ou un deuxième dans 5 minutes. Là, on est à la 50e minute déjà. Il y a des gens qui nous attendent. Laurent, vous êtes juriste aussi, non? Un grand juriste d'ailleurs, avocat. Comment jugez-vous sur le plan politique et sur le plan juridique le fait que la Cour de cassation ait décidé de casser la décision condamnant Vital Kamerhe? Beaucoup disent qu'il a fait un deal avec M. Tshisekedi. On l'annonce même à la primature de la République. On dit qu'il sera bientôt Premier ministre. Est-ce que vous pensez que là, nous sommes dans la justice politique, un procès téléguidé de l'extérieur, ou vous, dans votre expérience des juristes, vous pensez que c'est les droits qui apparaissent? Bon, écoutez, déjà, je n'aime pas discuter sur... des on-dit, discuter sur ce que racontent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont tout. Et pour d'ailleurs, je demande au ministre ministre Eberandé de faire tout pour proposer des réformes en vue d'encadrer ce secteur. Il y a trop de moutons noirs. Désormais, chacun dans une chambre à partir d'un ordinateur peut insulter des gens, peut diffuser des bêtises. Sans aucune analyse, sans aucune formation, sans aucun professionnalisme, il faut encadrer ce secteur. Moi, je pense que je vais opiner comme juriste.
il va opiner comme celui qui a modestement la maîtrise de la procédure. Nous sommes dans une procédure pénale. Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de servitude pénale. Ok? Il a interjeté appel. Je crois qu'ils sont d'ailleurs partis à la Cour de cassation et au Conseil. Non, à la, ils ont commencé. Non, non, ils sont partis, je crois, aussi à la Cour, à la Cour constitutionnelle, en inconstitutionnalité. Je crois qu'ils ont été déboutés. Après, ils ont exercé les voies de recours classiques. Ils sont partis en appel contre la décision. La décision du TGI. La décision du TGI. Et la Cour d'appel de Kinshasa a. Je crois de Kinshasa à Matete. A, non, Kinshasa Gombe, Kinshasa Gombe. A, condamné à 13 ans. A condamné à 13 ans, mais que moi-même, qui suivais le procès en distance, j'avais vu que l'affaire n'était pas en état quand la composition a demandé que les avocats plaident et que l'affaire soit prise en délibéré. Et ça, c'était un motif de cassation en droit. Et donc, si on était dans une approche de rigueur, les juges de cassation devaient même casser la décision dans son entièreté et libérer Vital Kamerhe fondamentalement et les renvoyer de toute poursuite. Ils ont été très très gentils d'uniquement casser la condamnation de 15 ans, de 13 ans, de les renvoyer devant le même juge autrement composé. Donc ici, les gens qui se réjouissent doivent savoir que Vital Kamerhe n'est pas acquitté. J'ai vu les instituteurs fêter, prier. Vital Kamerhe n'est pas acquitté du point de vue de la procédure pénale. Le juge de cassation n'a fait que casser la décision, ok, qu'il est condamné à 13 ans. Mais il a demandé en fait que l'instruction commence à Beauvau. Donc, comme s'il n'y a jamais eu l'instruction au degré d'appel, on commence par l'ABC de l'instruction jusqu'à prendre classiquement l'affaire en délibéré et permettre au juge d'appel autrement composé. Donc, il n'y a aucun juge qui a été dans cette composition passée, ne peut être dans la nouvelle composition, et ils vont commencer l'instruction en vue de décider. Vont-ils maintenir la condamnation de 20 ans? On ne sait pas. Vont-ils maintenir la condamnation de 13 ans? On ne sait pas. Vont-ils l'acquitter? On ne sait pas. Et donc, du point de vue de droit, voici le cadre. Maintenant, du point de vue politique, moi, je pense que dans un contexte d'analyse rigoureuse politique, il est présenté comme un soutènement de tractations politiques. Parce que si vous regardez la rigueur du jugement qui le condamne en grande instance, avec l'évolution de la procédure et même la diligence de la cassation, allez poser la question au niveau de la Cour de cassation, il y a des procédures qui font 3 ans. 3 ans, ce n'est pas présenté en plénière. Cette célérité-là n'est pas hasardeuse. Et donc, l'approche politique née de la célérité de voir la Cour de cassation s'occuper, alors que la Cour de cassation devait se servir de l'extrait, ou bien de, comment on appelle ça, du bulletin d'enrôlement des dossiers, pour se prononcer, mais que le dossier de Vital Kamerhe saute tous les autres dossiers pour être tout de suite présenté en plénière les avis et puis même le prononcé s'ensuit. Vous vous rappelez que le DG de la RVA, Bilingué, a fait une année en prison à temps d'entendre le jugement en cassation. Non, mais la procédure en cassation, elle est quand même assez longue. Non, elle ne peut pas être longue. C'est une culture de chez nous. C'est une culture de chez nous. Je vous donne un exemple. Dans notre pays, on dit les audiences commencent à 9h. Chaque fois que vous arrivez devant une juridiction ou un tribunal, vous allez voir l'excès de rôle et l'heure de début des audiences. On dit 9h. Mais je vous mets au défi, le jour où vous allez suivre une audience à la Cour de cassation, vous allez toujours vous rendre compte que les audiences commencent à 13h. C'est dit dans quelle loi que les audiences doivent commencer à 13h. Ok? C'est comme ça qu'il faut faire une analyse avec objectivité. Et donc, pour moi, j'estime que donner l'impression que cette célérité-là est hasardeuse, je dis non. Donc, la même il y a toujours des canaux politiques qui sous-tendent ce procès et nous pensons donner notre point de vue dans le futur si et seulement si ça va dans ce sens-là. Mais si aujourd'hui Vital Kamerhe devenait Premier ministre, moi j'ai toujours dit que c'est quelqu'un qui a de la valeur.
Ok. C'est un homme qui a une expertise avérée. Et nous, comme ensemble, nous sommes en train d'observer. Si on va prendre des réformes, si on va nommer des Congolais qui ont des compétences pourvu que les Congolais mangent, pourvu que la situation sociale du Congolais s'améliore, nous allons nous incliner. Mais en tout cas, ce n'est pas pour nous une préoccupation de savoir qui va être le Premier ministre ou qui ne va pas l'être. Le chef d'État a le levier du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'il est le comptable général en 2023 et que nous, nous allons mettre en évidence pour demander aux Congolais de mordre à notre projet de société. De voter Moïse Katumbi. Vous avez vu Salomon Iskadé là, à Kindou, en tout cas, tel père, tel fils, hein, j'ai vu. Coup de chapeau au conseil spécial Salomon Iskadé là, un carton plein. Je voulais dire, tel président, tel spécial, parce qu'un monde fou. Un monde fou, mais il faut dire que ça va dans le sens du travail qui est fait au quotidien ensemble. Chacun arrive à amener du sien pour la vie du parti. Je vous ai dit que nous sommes un parti des masses. Nous avons, nous, pour les motifs, le libéralisme social. C'est-à-dire qu'une économie libérale, mais qui met le peuple congolais au centre, le social du Congolais au centre de l'action politique. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train d'avancer fondamentalement. Vous avez suivi l'équipe d'Olivier Kamitatou, Vano Kiboko, Francis Kalombo, Don Piero Alitalia et tous les autres. L'unique mission, c'est 1 million d'adhésions. Et je pense qu'ensemble, va être le premier parti politique dans notre pays avec ces chiffres. Et rassurez-vous qu'en 2023, vous allez devoir compter avec nous. Et nous entendons le moment venu. Vous avez glissé ici en disant « Votez Moïse Katumbi ». Je pense que vous, comme journaliste, il vous a dit qu'il va être candidat. En tout cas, à moi, il ne l'a pas encore dit. Au niveau des instants, tu le parles. Non, il ne l'a pas encore dit. Le débat n'est pas l'ordre du jour. Non, il n'a pas encore dit. Le seul candidat, c'est le président de la République. Il est à la fois président, candidat et candidat président. Donc, c'est tiré de lui-même. Et pour la première fois dans le pays, on a vu que, je ne sais pas si dans le monde ça se passe, hein, que le président de la République déclare sa candidature avant tout le monde. Vous savez, je connais un livre, je connais le livre de mon grand frère que j'aime beaucoup, le savant Kabasubabou, qui a parlé de l'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit. Il faut lire ce livre-là. Et à la prochaine émission, nous allons en parler par rapport à ce que vous dites. J'ai lu. Je le salue en passant. Dans ce livre, donnez-moi les livres d'ailleurs de Kabasubabou. Je vais faire un peu de publicité pour lui. Les livres bleus de Kabasubabou. J'ai lu un peu dans les livres. Il dit des choses comme vous. Hein. Il dit vraiment que Tshisekedi a fait voler à l'éclat les espoirs qui étaient placés en lui. Et qui en 30 mois, tu sais qu'il y a démontré à la face. Mais voilà que vous pouvez me permettre de placer juste un petit peu par rapport à ça pour terminer. Moi, Onyemba Laurent, je connais le président Félix Tshisekedi. J'ai eu son témoignage de mon président Moïse Katumbi sur sa bonne foi et sa dimension, la dimension d'amour qu'il a pour le Congo. Mais la bonne foi seule ne suffit pas. Il n'existe pas d'un Congolais, de Congolais omniprésent, qui est la clé de tout. Le problème que j'observe autour du président, c'est aussi l'environnement dans lequel il fonctionne. Malheureusement, il va en être comptable parce que on est lui personne... Pas cet moi, je n'ai pas cet argument-là. Non, mais attendez. Moi, j'ai l'argent. Je dit l'entourage, non. Non, mais personne n'a demandé à Tshisekedi, il a imposé à Tshisekedi son entourage, non. Non, mais écoutez... C'est lui-même qui le choisit. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pourquoi j'ai dit au président... J'ai dit au président que ce qui va être présenté demain comme bilan va être le bilan pas de l'entourage, pas de ce que l'entourage a fait, mais de ce que lui a pu faire de son entourage. Parce que Joseph Kabila a dit qu'on a dit tout aux Congolais, mais seulement on n'a pas dit aux Congolais une chose. On n'a pas dit aux Congolais la vérité. Allez, voici les livres de mon grand frère Hubert Kabasubabou Kabatou Londi. Montrez-moi ça, monsieur Pierre. Voilà, l'ouvrage est là. Je suis en train de les lire. Je suis en train de les lire, il démontre clairement. J'ai besoin d'un exemplaire, si me donnerait un exemplaire. Il démontre suffisamment. Reviens sur l'ouvrage, monsieur. Il démontre suffisamment que en 30 mois, Tshisekedi et l'UDPS ont déçu les espoirs des Congolais. Donc le livre, il est là. Kabasuba met beaucoup de termes techniques. Vous savez, lui, dans son français, de la politologie, oh là là. Mais bon, c'est un bel ouvrage. Je n'ai pas encore fini de lire. Monsieur Kabasubabou, je n'ai pas encore fini de lire. J'ai terminé de lire et puis je pense qu'on va faire une émission avec lui. Il est en Afrique du Sud sur Zoom. Il est en Afrique. Je ne sais pas où il se trouve. Si, il est en Afrique du Sud. Bon, de là où il est, il appelle à la révolution, tout ça. J'espère que
une émission avec lui ne va pas nous créer des problèmes ici. Bon, c'était une manière de... Pour la révolution, par contre... C'était une manière de saluer. Je pense que l'unique manière de prendre le pouvoir de façon pacifique, c'est passer par les élections. Par les élections. L'approche révolutionnaire n'est pas mon approche. D'accord, moi non plus. Ouais. Je pense que 2023, c'est déjà demain. Bon. Si on en a marre avec M. Tshisekedi, il faut attendre 2023 et le sanctionner légalement par les urnes. Ouais. Allez, l'émission est terminée. Laurent Nyemba, merci. Bon vent à toi. Merci beaucoup. Merci pour tes fonctions et... Continue comme ça. On salue nos amis qui nous regardent à Kindou. Peter Thierry, qui est à Kindou, et Jean-Ri Koumandé, les deux sont à Kindou en train de découvrir les activités de Salomon. Salut les amis de Kindou. Peut-être vous rejoindre à l'étape de Kibombo. Allez, bravo également à Salomon Escadela. J'ai vu que. Non, Salomon Escadela, on n'en a pas parlé. Je voulais dire que c'est un homme de l'ombre, une valeur sûre. Et ce que les Maniemi ont fait, c'est en fait présenter un peu la face du Congolais de Kindou par rapport à ce que ses compatriotes ont fait. Sans occuper les charges d'État, avec les moyens de bord, aujourd'hui, la route Kindou-Kibombo, c'est autant de kilomètres, est devenue potable. Et si vous voyez hier comment nos mamans étaient en train de souffrir, et ses compatriotes ont mis la main dans la poche pour sortir 150 000 dollars pour réfectionner ce tronçon avec 50 000 dollars du gouvernorat, c'est un coup de chapeau. Allez, et je pense que c'est la réponse à ce travail. Bravo. Donc, félicitations bravo au conseil spécial de Moïse Katumbi. Bravo à Salomon. Le conseil spécial Salomon Escadela. Bravo à Salomon Escadela. J'ai vu qu'il a réfectionné ces routes-là. Ici, les autres sont là pour insulter quand on dit que les Kassaïens sont en train d'aller au Katanga. Ce n'est pas normal de voir des terrains des Kassaïens partir comme si on partait comme du bétail. Le président est allé là-bas, il a constaté ce qu'il a constaté. Le ministre des recherches scientifiques, comment il s'appelle José Panda a dit, nous sommes des voleurs, nous avons volé. Le président est revenu 5 mois plus tard. On n'a pas tiré les conséquences des voleurs, on n'a rien fait. Et quand on vous dit maintenant, construisez chez vous, on vous commence à dire que c'est les tribalistes. Mais non, rien n'est fait chez nous, rien n'est fait chez nous. Je vois certaines personnes qui nous ont dit ici que désormais le Kassai était comme un cimetière. Quelqu'un a dit qu'il vaut mieux être dans un cimetière qu'être au Kassai. Il a dit qu'au Kassai, il n'y a qu'un seul ascenseur. Un seul ascenseur. Mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui viennent s'offusquer. Les amis, regardons-nous en face. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je suis Kassaïen. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. On a trois VPM sous un arbre. Oui, et trois VPM sous un arbre. Bah, je vous dis de la vie. Attendez. Et quand on va dire ça, non! Allô, arrêtons ça, les amis. Arrêtons ça. Quelqu'un peut prendre 100 000 dollars de sa poche comme Salomon Escadela. Il construit une route pour faciliter les mamans. Mais vous, on vous donne l'argent pour aller construire au Kassai chez vous. Kassai, et en plus, vous voyez, vous reconnaissez vous-même que nous, on est des voleurs. Ça, c'est José Panda qui a dit. Le président a constaté qu'il y avait des voleurs. Il est revenu à Kinshasa. Il n'a rien fait. Où sont ces voleurs-là que José Panda a critiqué? Où sont ces voleurs? Vous attendez que quelqu'un dise qu'on a mangé des chiens pour monter sur tous les toits parler à part. Non. Construisons chez nous. Ce n'est pas normal ce qui se passe ici chez nous. Ce n'est pas normal. Ça, ce ne sont pas les déplacements, mais c'est un exode. Vous prenez la vie de tout un peuple, vous les mettez en danger. Les gens prennent des trains comme du bétail, ils vont au Katanga. Si les autres parlent, vous voulez commencer à dire, non, attendez. Regardons-nous en face. Il y a des choses à faire chez nous. Faisons-le. Allez, l'émission est terminée. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.